Voilà, ça tourne. On est le vendredi 28 août de l'année 2020. Il est minuit 45 passé. Au programme ce soir, les lobbies. Comme dit George Carlin, well, they spend billions of dollars lobbying to get what they want. Le principe des lobbies, je ne le savais pas encore il y a ça quelques mois, c'est des puissants groupes de pression qui vont vous formater le cerveau pour vous faire penser comme ils le veulent. Et donc, bien entendu, Georges Carlin, qui est un anticapitaliste, puisqu'il dit The American Dream, it's because you have to be asleep to believe it. Le rêve américain, c'est parce qu'il faut être endormi pour y croire. Un coucou donc à Étienne Chouard, que j'adore. Étienne, qui est pour l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est que ensemble, nous, les citoyens, reprenons le pouvoir en écrivant la Constitution et en créant, comme il l'explique dans ses vidéos, les ateliers constituants, c'est-à-dire réfléchir et surtout tirer au sort les personnes qui demain voteront les lois. Pour la simple et bonne raison que la corruption est en France une gangrène, tout est corrompu, tout comme I'm Philippe Stoker about, on est alors, mais alors fliqué, mais alors je ne vous dis pas, caméra de vidéosurveillance partout. Encore qu'avec le Covid maintenant et les masques, la reconnaissance faciale, ça complique un peu le schmilblick, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Il y a les téléphones portables avec la géolocalisation. Si vous avez votre téléphone portable avec la géolocalisation sur on, ils savent exactement où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Donc même si vous ne payez pas avec la carte bancaire, la traçabilité, ils savent exactement, quand je dis ils, bien entendu, c'est le Big Club, hein, les 1%, les 1% les plus riches, hein, donc quand je dis les riches, c'est pas là, vous, les petits bourgeois, camarades, fils à papa, tu te crois super drôle, regarde-toi, comme je suis entre nous. Qui avait, je sais pas, même si vous avez 10 maisons, une Ferrari, une Golf, de toute façon, they get you by your balls, ils vous tiennent par les couilles, vous êtes obligé de constamment de travailler, vous retrouver sur votre taf, même si vous avez 5000 euros par mois en salaire, vous êtes quand même toute la journée en train de taffer, de bosser. Et comme le dit Dominique Michel du syndicat, à qui je passe un coucou, Dominique, je suis donc exclus en public devant tout le monde, profondément désolé, la dernière fois j'ai eu une petite réaction de parano, avec toi, en te laissant un message un peu agressif sur ta boîte aux lettres, sur ta boîte vocale. De toute façon, il y a de quoi le devenir, hein. On devient automatiquement. On devient, comme l'a dit Florentin Meyer, que je salue, qui est donc un ami de mon fils Lucas. Ces gens-là sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils développent en vous une pathologie. La pathologie principale à l'heure actuelle, c'est la peur. C'est la peur. Il y a une vidéo des guignols de l'info qui est sublime,
ou Oussama bin Laden qui arrive et qui fait « Salam alaikum mes frères » et tout ça. Puis après, il explique qu'ils ont réussi à développer la peur. Pourquoi la peur? Pour vendre. Pour vendre. Quand vous avez peur, vous allez, ils vont la mafia des services pharmaceutiques, ils vont vendre du médicament, ils vont vendre des masques, ils vont vendre des sociétés de vidéosurveillance informatique. Il faut créer la psychose pour vendre. Et pendant que, quand vous achetez, vous êtes obligé de bosser pour gagner de l'argent, pour ceux qui travaillent, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi tous ces enfants des cités qui savent qu'ils ont perdu d'avance. Comme chante Renaud, trop dans sa fantastique chanson. Troisième génération, c'est... Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans. Je vis chez mes vieux à la Courneuve, j'ai mon CAP de délinquant. Je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand. Sur le bras, j'ai tatoué une couleuvre. Je suis pas encore allé en tôle, c'est à cause de mon âge. Pareil d'ailleurs que c'est pas Byzance, que c'est que t'es un peu comme dans une cage. Parce que la rue, tu crois que c'est drôle, tu crois que la rue, c'est des vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur. La douleur et la nuit, tintintin. Voilà. Tout ça pour dire, à l'heure actuelle, dans cette société du troisième millénaire, des gens, dès qu'ils sont malheureux, ils peuvent s'acheter un sous-marin nucléaire s'ils veulent. Si demain il y a une explosion atomique, ils pourront rester confinés dans des sous-marins au fin fond de l'océan, attendre que ça se passe, et puis même s'ils ne peuvent pas remonter à la surface, ils ont de quoi survivre. Eux s'en sortiront, alors que chez nous, ce sera Mad Max 2. La vidéo d'Étienne Chouard, la mutinerie que je vous invite à voir, que je mettrai sous cette vidéo. Un coucou à Philippe Pascoe, qui explique les lobbies du tabac ont déposé 47 fois le même amendement à l'Assemblée nationale. Il y avait une faute dedans, ils ne sont même pas donné la peine de relire. Vous imaginez. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont... S'il dépose l'amendement, je ne sais pas le nom du député, Philippe, j'ai pas acheté de bouquin, tu sais que j'ai pas de fric, hein, situation de surendettement à cause de ces pedos chez l'expert psychiatre. Là, Alors, voilà. Le principe du message.org d'Étienne Chouard. Comprenez-le, diffusez-le. https://le-message.org. Les gentilvirus. Je suis automatiquement un gentilvirus. Et un expert. Netfil.net. Ça existe aussi en netfil.de. Et puis, c'est mémotechnique. Parce qu'en alsacien, Netfil, ça veut dire pas beaucoup. Et puis, c'est négatif. L'alsacien, c'est quand on lui demande quelque chose, c'est Nai, est-ce qu'il est net? Et c'est l'inverse du slogan de campagne de Barack Obama. Yes, we can. I'm aboard. I'm Philippe Stock, aboard webmaster from googleiswatchingyou.com. End off. Il est à peu près 5 minutes avant 1h du matin. Je special thanks to the zillion words with Lornal Lewis, the drummer. Oh yeah, that make me that give me a lot of energy. And I hope if you see this video that
If you come in France to go to in Europa Park, this wonderful park that we have in 7 kilometers from here, we have above 20 minutes to go from here to the Europa Park. Come into my house. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je rassure tout, pas les gens à qui je raconte mon histoire me disent, à la fin, ils me disent bon courage. Alors là, je vous arrête. Ce qui m'est arrivé, il ne pouvait pas m'arriver mieux, parce que je suis aujourd'hui plus organisé que n'importe quel militaire pourrait l'être. Et puis, d'ailleurs, j'ai changé mon look. Ah, les lobbies, ils veulent le matin à la boulangerie, là, je croise un beau militaire et tout ça, sapé kaki, le mec vachement viril et tout ça. Et moi, je me suis décidé d'acheter des petites pompes, là, de nana, avec des petites chaussettes qui vont avec, là, en girafe, là. Eh, il est pas classe, mon look, là. Regardez-moi ces pompes, là. Ces petites pompes fluorescentes, là. 5 euros. Mais comment ils font ça? Les petites mains. Nike avait embauché pour 200 dollars par mois en Chine. Ils ont délocalisé à Taïwan pour 30 euros la petite main, les petites mains pour nos petits pieds. Et à l'heure actuelle, ils sont retournés aux States. Il y a zéro employé du début à la fin de la chaîne. Ils sont terribles. Il n'y a donc plus que ceux qui réparent les machines et bien entendu ceux qui vont réparer les machines demain. Ce seront des robots. I am a bot. I am a very slow bot. I don't want to go fast. Because I know if I am going fast, I am a loser and you are all losers. Like Edward Snowden say on his video YouTube, you can do how you want. They make you losers. Et bon, ça me dérange pas. J'ai plus du tout envie d'être un winner. I'm a loser. I'm a bot, a very slow bot. Webmaster from Google is watching you.com. On est à 2-3 minutes avant 1h du matin. Au niveau diabète, je suis très très bien. J'ai en excellente santé. I always check my sixth cause. Danger is coming from your back. Le danger vient de derrière. C'est le monsieur qui m'a joueur d'échecs, Jean-Marc, joueur d'échecs, qui est aussi que j'ai revu au CHS de Kraft l'an dernier quand j'ai rendu visite à Lucas. Si ça se trouve, mon pauvre ami, en arrêtant tes médocs, ça irait peut-être mieux. Et avec Étienne Mensch, que je salue, je prends le risque de... qui est un des plus grands joueurs d'échecs de Strasbourg, 2200 Elo. Le mec, il m'a prêté 100 euros. Pour l'instant, pas de nouvelles. Alors que quelques camarades bourgeois du village, camarades, fils à papa, qui m'avaient prêté 20 balles, le jour après, il les voulait de nouveau. Si, c'est pas malheureux. Allez. On va pas juger, c'est négatif. Je vais me rouler une petite cigarette. N'oubliez pas, avec ça et la géolocalisation sur on, mais vous êtes fliqué. Mais vous êtes totalement fliquède. Ceux qui n'arrivent pas, mais ça viendra. Encore. Parce qu'ils mettront des capteurs tôt ou tard dans ces appareils. Ce qu'ils n'arrivent pas encore, c'était dans une de mes vidéos que j'avais fait il y a bien longtemps, c'est à capter les odeurs. Mais tôt ou tard, ils y arriveront. Et alors ce jour-là,
on sera pas dans la avec quatre petites astérix. Il est 1h du matin. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vendredi. Attention, vendredi, c'est la journée des radars. Mercredi, c'est la journée du canard. Jeudi, c'était l'hier. C'est le jour des experts, d'où mes vidéos. Et vendredi, c'est le jour du radar. Un coucou à Daniel Olivier et à tous mes potos du trial. Qu'est-ce que vous attendiez pour m'appeler pour le mondial de cette année, hein? Je serai des vôtres, vous m'avez offert toute la bande de potos de la MC Grasse. Hein. Loris Gubian dit quelque chose à Daniel, et puis Guillaume Laniel, special thanks to the best rider of the world, Adam Raga, Jordi Torres, Raimi Busto, Jérôme Bétine, les canards sur l'autoroute, ouais. Et puis, plus les vidéos sont longues, moins les gens les regardent. Parce qu'on vous a habitué maintenant à des conneries comme les stories qui sont du zapping à la con, fait pour vous, comme dit Georges Carin, you get a pencil, go to the core of physics. Faut arrêter. Prenez-vous le temps, la culture, c'est important. La culture, oh, j'en ai dans ma famille, c'est la culture. Oh, les boissons. Mais arrêtez là. It's incredible. It's total incredible. What's happening in this new world? What's happening is total incredible. We have all together, the Beatles, all together, on va être soudés, on va être unis. Il faut un entendement commun pour se tirer vers le haut. Et pas qui doit être le meilleur, qui est obligé par ce système capitalo-américain, qui va être le chef. Non, personne n'est le chef, on discute. On trouve des solutions. On se tire